solidarité, fraternité, endurance, combativité. C'est 80. C'est de jouer sur les deux tableaux, la Coupe et le Championnat de France. FFR 13, mais sans la FFR 13, on ne pourrait pas exister. Donc déjà, merci à la FFR 13. Sinon, il n'y a pas d'élite. Que le média s'intéresse beaucoup plus à nous, de façon à avoir un peu plus de moyens, comme on nous a mis d'en face, et pouvoir se développer comme on devrait se développer, parce que le rugby à 13 est un sport magnifique et malheureusement méconnu. Mais je peux dire qu'un grand merci à tous nos sponsors, parce que sincèrement, si les institutions n'étaient pas là et tous nos sponsors n'étaient pas là, on aurait beaucoup, beaucoup de mal à vivre. Justement par rapport à ce que je viens de vous dire, la difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment de gros médias qui peuvent nous suivre. Voilà. Donc un grand merci encore à tous nos sponsors qui sont là tous les ans et qui nous suivent et qui nous apportent leur soutien financier et autres. De se méfier, c'est pas parce que quand une bête est blessée, c'est là où elle est la plus dangereuse. On a perdu le week-end dernier contre Carcassonne, chose qui n'aurait pas dû se passer, mais je pense que les joueurs vont rétablir la barre. Et c'est bien parce qu'on reçoit quand même le premier de l'élite. Et mais il faudra qu'ils se méfient parce que ça sera une autre équipe que ce qu'ils ont peut-être visionné contre Carcassonne samedi dimanche dernier. Jeunesse. On va dire l'envie de réussir, l'envie d'aller plus haut. Ben, c'est cette qualité aussi, c'est cette jeunesse, cette envie, ce que je viens de dire, cette envie de voir plus haut, cette envie de prouver, des joueurs qui ont la possibilité aussi d'aller voir avec les Dragons. On est la réserve des Dragons. Quand il y a des joueurs qui ne sont pas avec les Dragons, ben, ils descendent avec nous. Quand il y a des joueurs qui sont performants avec nous, ben, ils vont voir à l'étage au-dessus. Donc c'est une bonne opportunité pour tous ces joueurs d'être performants tous les week-ends. Il y en a beaucoup. Après, depuis le début de la saison, il y a des joueurs qui ont été performants. Après, je peux en citer. Je vais en citer un qui est bien depuis le début, c'est Mika Gondoman qui est arrivé cette année. Donc il a été performant depuis le début de la saison. Victoire de Saint-Estève. Victoire d'Albi. Victoire de Toulouse. Victoire de Palau. Victoire de Lézignan. Amitié. Amour. Agressivité. Non, tous. J'en ai pas un en particulier, tous. Non. Quelle que soit la région, non. Ouais, tous. Donc tous les joueurs, là. Tous les joueurs ont une bande de copains. Avignon, Albi et Lézignan ou nous. Qui viennent un peu plus nombreux. Voilà. Fasse un peu plus d'efforts de venir nous voir, ce serait bien pour les petits jeunes.